Moi, je suis camerounaise. Hein. On aime trop les problèmes. Moi, là, ça ne dépendait que de moi. On a réalisé ça. Aujourd'hui, on m'a remboursé mon argent. J'ai dépensé plus de 25 euros. Mais attends, ça fait beaucoup l'argent. Hein. Moi, j'ai même mis deux fois par jour parce que la meuf, si en 5 jours, elle a eu ses résultats, je me suis dit, même en 2 jours et demi, je vais avoir les mêmes résultats. Ben ouais, logique. Je suis là en train d'afficher mes aisselles sur Internet. C'est normal. Je comprends qu'il faut chercher l'argent pour remplir le frigo, mais vos produits puent la merde. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tata Herlou. Je suis nulle en intro, mais c'est comme ça. Moi je vais très 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 bien, grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas une vidéo drôle. Tu vois, c'est pas une vidéo où je vais venir parler du Cameroun, venir faire un peu de thé, etc. Aujourd'hui le thé c'est moi en fait. De toute façon, tu l'as vu dans le titre, je vais pas passer par quatre chemins. J'ai l'impression de m'être fait avoir. Je veux qu'on me rembourse mon argent. Vous n'avez pas peut-être tous vu, mais beaucoup d'entre nous avons vu la vidéo de la youtubeuse Dola. Dans la plupart de ses vidéos, elle nous parle de produits qui peuvent aider, etc., que ce soit la vergéture. Et là, du coup, c'était l'hyperpigmentation. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un vrai souci d'hyperpigmentation au point où c'est devenu un complexe. D'ailleurs, j'ai posté cette photo-là, sur mon Instagram, parlant de mes complexes, voilà, de mes aisselles, etc. Et quand j'ai vu la vidéo de Dola, je me suis dit « Yo !» Je me suis dit « Là !» L'argot a trouvé le remède à tous mes problèmes. Et je pense que j'étais pas la seule à penser ça. En fait, l'argot a compris tous mes problèmes. Genre, je vais commencer à me balader comme ça. D'ailleurs, même dans sa vidéo, elle a fait ça. Franchement, si je pouvais vous faire la vidéo juste comme ça en vous parlant, je l'aurais fait. Elle nous a parlé d'un produit et elle a dit, je vais bien reprendre ces termes. Moi, je suis super contente d'avoir trouvé ce produit-là parce que ça a vraiment marché. En moins de 5 jours, j'ai eu des résultats. Qu'elle a utilisé le produit en même pas 5 jours. Genre elle a dit en 5 jours c'était plié, réglé, casé, tout ça. L'enfant de ma mère. Il est important de noter, je ne sais pas si elle l'a dit dans sa vidéo, mais je tenais à le dire, qu'elle est affiliée à ce site-là. Parlant du produit, hé hey, Seigneur, moi l'enfant de ma mère, moi en marnaque, tu me fais dépenser mon argent et en plus de ça, j'ai pas les résultats. Hey. Tellement là, je suis énervée. J'ai même pas envie de crier, tu vois. Genre là, je suis tellement pas bien. Déjà, j'ai la grippe. J'ai même pas envie de crier. Bref. Donc, j'ai acheté son fameux Skin Doctor SD White Bright. White. Donc, déjà, ça là. Je ne sais pas si c'est pour les gens qui ont autre chose. En tout cas, ils mettent problème. L'exposition au soleil et le vieillissement de la peau peuvent causer une production blablabla de la mélanine blablabla, entraînant l'apparence des taches de rousseur, taches solaires, taches de vieillissement, de pigmentation blablabla. Bref, en gros, que c'est quand tu t'exposes au soleil que tu peux avoir de l'hyperpigmentation. Ce produit, on te dit, éclaircit la peau et corrige la pigmentation. Moi, j'ai fait exactement comme la meuf, elle a dit. Elle disait déjà de base qu'elle l'utilisait qu'une fois par jour parce qu'en journée, elle voulait pas ne pas mettre de déodorant, etc. Et que du coup, qu'en 5 jours, elle a eu des résultats. Déjà, la plupart de ses vidéos, elle a toujours des résultats super rapides. Donc, je sais pas comment elle fait. Mais frère, moi, j'ai pas eu les mêmes résultats, en fait. Moi, j'ai même mis deux fois par jour. Parce que la meuf, si en 5 jours, elle a eu ses résultats, je me suis dit, même en 2 jours et demi, je vais avoir les mêmes résultats. Ben ouais, logique. Généralement, je fais des efforts pour ne pas acheter. Oui, je fais des efforts, hein, vraiment. Je fais des efforts pour pas acheter ce que je vois toujours sur les réseaux sociaux. Parce que je sais que généralement, c'est pas toujours de la bonne pub. Généralement, c'est de la pub mensongère. Mais là, je me suis dit, j'ai pas l'impression que c'est fake. Donc, j'ai vraiment hésité avant d'acheter. Mais j'ai acheté parce que vraiment, mes aisselles, c'est vraiment pas le top du top. Là, je vais vous mettre des photos de mes aisselles. Je vais vous montrer. Vous-même, vous allez voir. J'utilise ce produit depuis près d'une semaine. Il y a zéro. En fait, c'est même ça le but de la vidéo. Je me suis fait arnaquer, mais... Bref, je me suis fait arnaquer. Genre, je me sens tellement bête. J'ai mis le produit deux fois par jour, matin et soir. Sachant que dans le pays, si vraiment les gens qui se douchent deux fois par jour, on les compte sur le doigt d'une main. J'ai prenais les douches pour que ça s'intègre bien dans la peau, que ça fasse un avec ma peau. Je vous dis, j'ai pris un avant, mais bon, je n'étais pas épilée des aisselles, donc ce n'est pas très, très, très intéressant. Mais mon après. Ça, c'est compliqué. En fait,
c'est moi l'enfant du fou. C'est moi, mon agent va prendre comme ça gratuitement. Mes aisselles en ce moment ne sont pas plus avancées ou plus reculées. Le truc qu'elle ne dit pas dans sa vidéo, c'est que de base, eux, ils disent dans la notice, eux, ils disent que c'est après 28 jours qu'on voit des résultats, qu'on commence à voir des résultats. Donc, ce n'est pas après 5 jours. Et moi, je suis allée regarder dans les commentaires sous sa vidéo pour voir s'il y a des gens qui se plaignaient. Il n'y avait pas de gens qui se plaignaient. Bon, elle a désactivé les likes de la vidéo. Je peux pas savoir s'il y a des gens qui n'ont pas apprécié le produit qu'elle a proposé. Déjà, vous savez que quand elle a fait cette vidéo, la première semaine, c'était tout le temps en rupture de stock. Je ne suis pas en train de dire que c'est parce que ça n'a pas marché pour moi, que ça ne marchera pas pour vous, mais je veux qu'on me rembourse mon argent. Je ne suis pas satisfaite là. Et la meuf, elle était tellement convaincante. Tu sais, elle a fait une vidéo de 4 minutes. Tu vois le genre de vidéo que frère. Et la pub, elle est précise, concise. Moi, j'ai pas vu des photos d'elle d'avant avec les aisselles foncées. Peut-être elle en a sur ses réseaux sociaux, mais bon, j'ai pas regardé plus que ça. Je m'en suis tenue à la vidéo que j'ai regardée. J'ai pas fait de recherche plus que ça. Je lui ai fait confiance. J'ai dépensé plus de 25 euros, mais attends, ça fait beaucoup l'argent, hein. Pour même pas qu'il y ait une évolution. Je vais vous montrer mes aisselles après une semaine d'utilisation de son produit miracle, magique, etc., etc. Mais bon, là, je n'ai pas de haut. Et de toute façon, je ne suis pas nue ici, ok? Bref, je vais quand même habiller. Parce que s'il y a des parents qui passent par là pour commencer à dire que oui, les enfants d'ici se montrent à poil alors que je suis juste à moitié. Non, je vais m'habiller. Là, je me suis changée et je vais vous montrer l'état de mes aisselles. Et je vous assure qu'il faut prendre en compte que mes aisselles, c'est vraiment mon complexe. Donc, vous le montrer comme ça, ce n'est pas quelque chose d'assez facile pour moi. Je crois que j'ai rarement, peut-être jamais, été en débardeur sur mes vidéos. Donc, je vais vous montrer mon aisselle. Vous-même, vous allez voir, ça fait une semaine que je l'utilise, j'ai pas eu les résultats qu'elle vante avoir eu en 5 jours. Dola, faut rendre l'argent. Moi, je veux même pas trop parler, je veux pas discuter. Faut rendre l'argent. Vraiment, ceux qui n'ont pas eu de résultats là, venez me dire que je ne suis pas la seule. Pardon, venez me rassurer. En vrai, s'il y a des gens qui veulent acheter, achetez. Mais moi là, je regrette mes sous jusqu'au dernier centime. Ça me fait chier. Et je ne pense pas que ce soit du 100%. Je veux dire que je pense que ce n'est peut-être pas un produit qui marche à 100%. Et je fais peut-être partie des pourcentages de gens qui n'ont pas de résultats. Et je vous assure que mes aisselles, j'ai même eu encore une tache d'hyperpigmentation qui est apparue sur mon aisselle de ce côté il y a quelques jours. J'ai pas envie d'en arriver jusqu'à pleurer parce que bon voilà, il y a plus grave dans la vie. Mais les gars, ça me fait chier. En fait, de loin comme ça, on pourrait dire que mes aisselles peut-être se sont éclaircies, mais je vous assure que je vais essayer de vous poster des vidéos, des snaps de mes aisselles avant, après. Il n'y a pas de différence. Ça me fait tellement chier. J'ai l'impression qu'on a joué sur ma détresse, en fait. On sait que beaucoup de femmes souffrent d'hyperpigmentation. On sait que beaucoup de femmes noires ont ce problème-là. Pour elles, c'est bien. Et moi, c'est pas bien. Il y a quoi? C'est moi le problème. Et franchement, quand vous faites de la pub, s'il vous plaît, faites même des vidéos avant pour qu'on ait l'impression que oui, voilà. On n'a pas de vidéo avant. On n'a que la photo de ta miniature. On va dire que on n'a pas la même peau, on n'a pas les mêmes problèmes, donc ce qui fait que peut-être chez elle, ce qui a fonctionné 5 jours, chez moi ça n'a pas fonctionné 5 jours. Maintenant il faut nous dire ça, peut-être moi ça a fait 5 jours, mais vous, peut-être ça prendra plus de temps, etc. Dis-nous ça. Moi j'ai compté 5 jours, je n'ai pas eu de résultat. Mon aisselle là, de loin, en fait cette tache là, elle était même pas là. Maintenant moi je suis là en train d'afficher mes aisselles sur internet, c'est normal. Elle fait sa pub, peut-être elle croit en ce qu'elle fait, mais maintenant s'il y a des clients mécontents, on fait comment? On ferme nos gueules? Non, je suis désolée, dollar rend les sous, frère. Moi de base, je suis pas censée faire des vidéos comme ça. Mais quand je suis pas contente, vous savez très bien que moi je dis clairement que je suis pas contente. Et là, je suis vraiment, vraiment pas contente. Donc les meufs, faites super attention. Là, on peut voir que j'ai quand même utilisé ce produit. Donc ce n'est pas comme si je ne l'ai pas utilisé. On n'est pas riche, hein. On roule pas sur l'or. Je suis désolée. Je pense qu'il y a eu plus de 2000 achats suite à sa vidéo. Dans tout ça là, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des résultats. Moi, tout ce que j'ai vu dans ces commentaires, ce n'était que du positif. Voilà, s'il y a des gens qui ont eu le même problème que moi, pas avoir eu de résultats, dites-moi si maintenant c'est à moi de peut-être bien l'utiliser. Peut-être c'est moi qui l'utilise mal, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, faut m'expliquer comment utiliser. Parce que moi, je prenais ma douche, je faisais mon petit gommage tous les 2-3 jours et tout, parce que je gommais tout le temps. Je faisais mes petits gommages et après j'appliquais. C'était même pas tous les soirs, je faisais mon gommage tous les 3 jours. J'appliquais tranquillement et j'ai pas eu de résultat. Je ne vous conseillerais pas de l'acheter. Maintenant, si vous voulez acheter, c'est entre vous et votre agent. Moi, je suis en train de pleurer mes sous ici. Si quelqu'un veut me rembourser, je mettrai même mon PayPal en description. Voilà, la publicité mensongère, ça m'énerve. Peut-être que c'est pas la publicité mensongère pour elle parce que ça a marché. Elle a vu des gens qui ont dit oui, c'est bien, etc., etc. Mais pour ma part, là, je dis bien, je parle pour moi et ma tête et mon corps et mes aisselles. Je n'ai pas vu de différence. Et même sur mon visage, je l'ai essayé pendant une semaine également.
Je pense que ceux qui me suivent sur Snap savent. Maintenant, Dola, si tu passes par là, rends mes souffrir. Non, mais c'est vrai, Dola, si tu passes par là, voilà, t'es une meuf bien et tout, sensible, machin, tout ce que tu veux. Franchement, t'es mignonne, t'as une voix apaisante et tout, j'aime bien tes vidéos. Mais rends l'argent. Moi, je suis pas satisfaite, on fait comment? J'ai beaucoup bavardé. Et je voulais aussi parler de la plupart de ces influenceurs, de gens de télé-réalité qui font toujours de la pub, code promo par-ci, code promo par-là. On est fatigué aussi. Vous aussi, vous nous épuisez. Parce que vous aussi, vos produits puent la merde. Vous abusez. On en a marre. Il n'y a rien qui fonctionne. Tout ça, c'est que de la... Au bout d'un moment, je comprends qu'il faut chercher l'argent pour remplir le frigo. Mais vos produits puent la merde. Déjà, les gens de la télé-réalité, leurs produits de merde, on n'arrive déjà plus à supporter. Si aussi, il y a des youtubeurs qui commencent à s'y mettre, on va à s'en sortir. Alors donc s'il y a des gens parmi vous qui ont eu le problème avec ce produit ou avec des produits d'influenceurs, télé-réalité, blablabla, dites-le en commentaire. Moi vraiment je vous assure, je suis tellement dégoûtée que je pourrais parler pendant une heure. Petit conseil, faites vraiment attention avant d'acheter ce que vous voyez sur internet. Peut-être que je suis l'une des rares personnes à pas avoir eu de résultats. Que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, faites de la pub. Essayez d'avoir des témoignages, des avis, etc. Et non acheter parce que vous avez confiance en la personne. Surtout des produits qu'on met sur la peau. C'est pas comme des extensions, mais même, c'est toujours des thunes qui partent. Donc, quand vous voulez investir sur quelque chose, essayez d'avoir des avis d'abord sur ce produit-là. Moi, j'ai pas cherché plus loin que sa vidéo et je vous assure que je regrette énormément. Bref, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres trucs à dire, dites-le. Là, je sais même pas quoi dire, je sais même pas comment terminer cette vidéo. Je suis vraiment dégoûtée. Bref. Je sais qu'aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo drôle. Mais bon, bref, si vous voulez rigoler, je vous laisse juste là mes dernières vidéos. Et on se retrouve à la prochaine.